Et donc yo les potes, yo tout le monde c'est le Révalin, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo sur le nouvel event entre guillemets. Alors là je vais vous expliquer un truc vraiment très spécial et on va aller faire les petits niveaux qui se retrouvent du coup dans les égouts de cet event. Alors vous pouvez voir que j'ai fait du 1 jusqu'au 5 en solo tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu tout. Alors déjà je précise que tous les niveaux sont en triple S entre guillemets, donc ça veut dire que tu peux utiliser que la tribu triple S, double S, S, etc, etc jusqu'à E. Et mais du coup il y a des personnages qui boostent évidemment entre guillemets. On va dire que si tu prends pas les bons personnages, leurs stats vont être baissés vraiment drastiquement. Du coup par exemple t'as 1000 de PV, tu te retrouves avec 100 de PV et tu te retrouves à du coup ne pas pouvoir faire le niveau tout simplement. Parce que là où j'en suis ils font 550 d'attaque, du coup si t'as 5 persos avec juste 100, et ça va pas le faire, tu tiens même pas une attaque. Pour débloquer ces persos, que faut-il faire? Alors tout simplement il faut se rendre dans le stage 12. Donc il faut se rendre dans le stage 12 qui est un stage ici, on va le faire ensemble juste une fois. Donc on le lance et on a une petite chance, du coup je sais plus comment il s'appelle, lui sur un temps ou un truc comme ça. Voilà, qu'il y ait lui qui apparaisse. Et du coup, attendez, mais j'ai pas mon Enma, du coup ça va être compliqué. Enfin ça va pas être compliqué, ça va être long surtout parce que Enma j'ai juste à spam de trucs et genre je one shot les persos. Donc je vais juste vous montrer lui, donc quand tu le tues, ce qui se passe c'est qu'il y a les 90% de chance pour qu'il te drop une pièce. Voilà, une pièce comme ça. Et puis en gros là ce qui va se passer, du coup, dans cette pièce tu vas pouvoir avoir 5 personnages, si je ne dis pas de bêtises, qui sont triple S et qui évidemment sont efficaces dans les égouts, du coup ça veut dire que leur stat ne baisse pas. Donc ensuite, du coup, vous avez vu ma team, je vais vous montrer les personnages qui ne baissent pas. Sachant aussi qu'il m'en manque un. Et du coup, il me le faut absolument pour terminer cette vidéo. Oh bah c'est lui! Oh bah c'est lui! Let's go! Let's go, je suis plus content d'avoir lui que le triple Z, je vous jure. Bon, du coup, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir vous montrer la team complète. En tout cas, une team complète que je compte faire. Aussi, je tenais juste à dire ça. J'ai utilisé un autoclick juste pendant une heure. Là, j'ai arrêté de l'utiliser. Il m'a utilisé, je sais pas pourquoi, je crois que c'est 2500, 2000 cartes Y pour monter mon Enma de level 60 à level 70. Donc, j'ai un petit peu la rage, mais bon, après, il va être monstrueux. Du coup, c'est ce panneau. Et du coup, il y a lui. Donc, on va le mettre ici. Bon, les gars, j'ai enfin fini de le monter. Du coup, je l'ai mis level 50. Et je l'ai mis, du coup, level 3 d'Amulti. Moi, je viens de le faire. Du coup, toute ma team est level 3 d'Amulti et level 50. Alors, je vais juste vous expliquer un petit truc. Tout simplement, du coup, tous les persos, là, ici présents, vous pouvez les drop dans les pièces. Et vous pouvez, évidemment, farmer le stage 12 pour potentiellement avoir le perso et pour, du coup, potentiellement avoir une pièce. Et du coup, ensuite, je crois que je me suis... spoil un truc, mais en fait je suis vraiment plus sûr si c'est ici. Les yokai que tu vas affronter là pour l'instant, tous ceux que j'ai affrontés, ils sont triple S. Celle-là, je ne l'ai pas, c'est une triple S et du coup j'imagine qu'elle fait un petit peu comme les persos que je vous ai cités avant. Du coup, ses stats elles baissent pas, pardon. Et du coup, on va aller faire le stage 6, 7 et 8 tous ensemble. Alors je vais juste essayer de tryhard un petit peu. Du coup, nous avons. C'est Cabotin, mais genre en mode prison dans les Dodge Blaster, mais sous une autre forme, donc je sais pas trop comment l'appeler. Je l'ai déjà, donc on va juste essayer de terminer le niveau. Quand tu finis le niveau, tu gagnes un export sacré, je sais pas trop comment expliquer ça. Je vais juste vous poser et je vais essayer de regarder ce qu'il fait lui, parce que du coup j'ai pas eu l'occasion de voir ce qu'il fait justement. Et on peut voir aussi que, du coup on va l'appeler Cornio. Hein. Cornio, son âme ultime est déjà un petit peu chargé au début du combat, du coup ça peut potentiellement faire la différence. Et en vrai le combat il se gère, hein, vraiment. Alors tout simplement, celle-là c'est une booster d'attaque, et tous les autres ils attaquent les globules, donc ils font quand même assez mal, donc vous pouvez voir que je l'ai tué en une, deux âmes ultimes, trois âmes ultimes, excusez-moi, pardon. C'est pas qu'il y a après, qu'il soit hardcore. Je l'ai pas, on va essayer évidemment de la combattre. J'espère que c'est un triple S, comme ça on va dire que c'est mid, je peux la battre et tout. Du coup, on va aller voir ici. Elle est Z. Et elle a seulement 90 000 points de vie. Et aussi, elle fait 600 de dégâts. Hop. Ici. J'ai tout sauf le bon perso. Voilà. Et normalement là ça devrait aller.
Ça devrait aller, je vais lui donner sa nourriture. On va juste aller tryhard juste pour pas qu'elle nous tue. Ouais, en une âme ultime, je lui enlève quasiment la moitié de sa vie. Donc en trois âmes ultimes, c'est vraiment terminé pour elle. Et du coup, je me suis spoil du coup, parce que s'il y a un Z ici, ça veut dire que le prochain, il sera excellent. Il sera excellent et surtout, je le voulais. Il est apparu dans un ancien événement et il a eu sa miniature sur ma chaîne. Je le voulais vraiment et du coup, là, je le trouve vraiment grave stylé. Du coup, je sais pas si je le farmerai. Attendez, ça se trouve, je parle pas du bon. Si, c'est lui. Lui, je le trouve monstrueusement stylé, hein. Vraiment. Et en plus, j'ai 20 nourritures, on va dire 4 étoiles sur 4. Du coup, pour le nourrir, ça veut dire que j'ai vraiment énormément de chance de tomber ami avec lui, si je peux appeler ça beaucoup de chance. Oh, j'ai la fever. Attendez. J'ai mon booster. Ok. Il y a moyen que je fasse une dinguerie là. Allez, s'il te plaît. Donc, triple Z, je rappelle qu'on peut obtenir. Alors, du coup, elle. Ensuite, elle. Bon, de toute façon, je peux faire que ça. Ensuite, du coup, lui. Non, attendez, ça va pas être suffisant. Non. Non, je panique. Oh, c'est bon, j'avais pas vu. On l'a terminé et du coup, s'il te plaît, deviens mon ami. First try. Oh, dommage. Je sais pas si je le farmerai hors vidéo, mais en tout cas, il est vraiment grave stylé. Hein. Je sais pas si du coup, mon objectif, c'est de l'avoir. Est-ce que c'est mon objectif de l'avoir? Peut-être pas, en vrai, non. Non. On a gagné aucune récompense, par contre. Et du coup, c'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, évidemment, à partager et à commenter. Moi, je vous laisse. C'était le Révali. Ciao.